7 avril, une rencontre conviviale était proposée à la salle polyvalente de Saint-André-les-Alpes pour fêter la retraite d'Isabelle Peugeot, secrétaire générale de la mairie de Saint-André-les-Alpes. Il était nombreux à s'être libérés pour ce moment émotionnel et de reconnaissance pour Isabelle. Elle s'est investie avec passion et professionnalisme dans ses fonctions depuis 2011 à Saint-André-les-Alpes. Le maire, Serge Prato, est revenu sur l'historique de son parcours professionnel et a mis en avant son implication au quotidien, sa polyvalence et ses compétences. Je suis arrivé à Castellane en 1981, depuis ton Jura natal. Dès le 8 février 1982, tu es embauché dans les services administratifs de la mairie de Castellane en qualité d'agent de bureau contractuel. Tu es recruté au le 1er janvier 1983 et titularisé un an plus tard. Tu passes de commis à commis principal le 1er janvier 1989, puis d'adjoint administratif deuxième classe de 11 août 1991 à rédacteur le 11 mai 2006. Tu es nommé le 1er janvier 2007 en grade de rédacteur principal. Tu passes le 1er janvier 2008 rédacteur chef. Tu es recruté à partir du 1er mai 2011 par mutation par la mairie de Saint-André-les-Alpes. À compter du 1er août 2012, tu passes au grade de rédacteur principal de première classe. Tu as compté du 1er juillet 2015 au grade d'attaché et stagiaire à temps complet. Enfin, à compter du 1er janvier 2016, tu es nommé au grade d'attaché titulaire. Quelle carrière. Bien rempli. Tu as bien mérité la fameuse retraite dont nous parlons souvent ensemble. Il n'y a pas que je vais partir. J'ai essayé de la personnaliser jusqu'au bout du mandat, il n'y a pas de moyen. Donc normalement, on nous quitte à partir du 1er septembre. Les extras. Les congés. Merci en tout cas pour tout ce que tu as fait pour la mairie de Saint-André. Merci donc pour le travail que tu as fourni. En tant que maire, je m'appuyais beaucoup sur toi. Je me suis appuyé beaucoup sur toi d'ailleurs. C'est vrai que c'était une tâche difficile, la secrétaire générale de mairie, de savoir tout faire, savoir tout comprendre, tout expliquer. Surtout quand on a affaire à des élus pliants comme nous. Donc des fois, on avait commencé le travail, et puis derrière, on a dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Un bon conseil, un très bon conseil. Une personne très avisée, donc également toujours présente, y compris après les heures de travail, quand il fallait la contacter. Souvent, on travaille le soir après 5h30. Il faut que la vie publique est fermée. On travaille en commission, elle est là. Elle a toujours été là quand elle a eu besoin d'elle. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, apprécié par les élus, apprécié par la population, apprécié par ses collègues de travail. Donc, que dire de plus si ce n'est qu'on va la regretter largement. Simplement, à l'occasion, ce serait bien qu'elle fasse un petit cours de français. Pour perdre cet accent, ce malheureux accent que je viens du Jura. Bête ? C'est ça, c'est bête ? Alors, il y a une rue à Marseille qui s'appelle la rue Mempenti. Mempenti, en provençal. Les jurassiens. Mempenti. Oui, c'est compliqué, des fois je ne comprenais pas. En tout cas, ça a été vraiment extraordinaire. C'est 12 ans passés à la mairie de Saint-André. Je peux dire effectivement que je ne me suis pas trompé quand je suis allé la chercher avec le Célat. Voilà. Merci en tout cas pour tout ce que tu as fait. Merci au nom du conseil municipal, merci au nom des gens que tu as souhaité indiquer ce soir qui sont présents. D'autres se sont excusés. On ne va pas faire la liste des gens excusés. J'ai passé particulière pour Michel Carr, qui était le maire donc avant d'arriver à la mairie de Castellane de M. Sauvin, qui n'a pas voulu la conserver dans les effectifs tels qu'elle était. Donc du coup c'est pour ça que je suis allé la chercher. Je lui ai proposé de venir à Saint-André. Hein, sur le poste de Gisèle Franck qui est là d'ailleurs. Je vous remercie. En tout cas, merci Isabelle. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour le temps passé, parce que tu as passé énormément de temps sur les différentes tâches et différentes opérations en cours. Un très bon conseil. Et on a mené Lyon ce soir. Simplement pour en tirer à peine
Par rapport à Lyon, à la position de Lyon sur le tableau de son bureau de brosse, sur les clés qui ferment les cadenas, la manipulation de la sonnerie, etc. Même tout ça, on doit nous surveiller. Puis si ça n'allait pas, ça faisait gronder. On a appris la leçon maintenant. Donc, du coup, on fera attention la prochaine fois d'ailleurs, avant de décorer ce soir. Voilà. Merci à tous encore une fois, je suis félicité. Le déroulé de ma carrière et pour ses propos très élogieux. Merci pour l'organisation de ce pot de départ. Merci Marie-Pierre. Merci à vous tous de votre présence nombreuse. Forcément, ça me touche beaucoup. Que dire ? Oui, je pars, mais forcément avec un gros pincement au cœur. C'est vrai que plus de 40 ans passés au sein de la collectivité, ben c'est pas rien. D'abord à Castellane, à la mairie de Castellane. Merci Jean-Pierre Scalet d'être là ce soir. Ben, tu es le lien qui nous unit à la mairie de Castellane, à Monsieur Boniface, Maurice, qui m'a recruté en 1982. Oui, ma mariée. Oui. Il m'a recruté en 1982, en février 82. Et puis après, la mairie de Saint-André-les-Alpes, depuis 2011. Donc merci Serge Prateau et le conseiller municipal qui m'avaient accueilli très chaleureusement. Après, vous m'avez fait confiance depuis ces années-là et ça me touche beaucoup. Donc ce travail, je l'ai exercé avec passion et enthousiasme. Je crois que mon mari pouvait le confirmer, et mes enfants aussi, parce que c'est vrai qu'ils voulaient presque m'installer un lit dans les différentes mairies, dans ces deux mairies. Je me suis investie pleinement, c'est vrai, vraiment, vraiment beaucoup, avec pour objectif la défense de l'intérêt général et surtout la satisfaction des administrés. Et j'ai reçu, mais vraiment tellement beaucoup en retour, et ben, je pense que c'est grâce à vous aussi. Donc merci d'être là nombreux. Merci pour ces collaborations fructueuses, ces bouts de chemin parcourus ensemble. Merci à mes collègues pour leur soutien, mes collègues actuels et puis anciens aussi, il y en a pas mal qui étaient là avant, pour donc leur soutien, pour le travail d'équipe, pour leur implication dans le bon fonctionnement du quotidien. Et puis merci donc aux élus et à mon maire pour ces moments partagés de plaisir, de galère des fois, de soucis, de tourments, de doutes, mais avec beaucoup, beaucoup quand même de satisfaction dans la réalisation des projets et puis dans la mise en œuvre des décisions communales. Une page se tourne, une deuxième vie s'offre à moi et s'annonce pleine de projets. Avec une folle envie de liberté, donc je pense que ça va bien se passer. Bienvenue donc à Olivier, qui va me succéder. Donc pas de doute quant à la relève, qui sera bien assurée. Vous allez très bientôt apprécier sa belle plume. Donc belle continuation à vous tous. Et puis je voudrais terminer sur une phrase de Confucius, alors je me la suis notée pour ne pas l'abîmer. Donc, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Merci à tous. Merci beaucoup.